culturales en París, pues nos honra con su presencia en el Instituto Cervantes esta tarde. Gracias, embajador, por tu presencia y gracias a todos ustedes por la fidelidad al Instituto. Bien, ayer era 8 de marzo, pero para el Instituto era un día pues, un poco malo porque está cerrado siempre los domingos, pero queríamos hacer un acto relacionado con el Día Internacional de la Mujer y un acto por la igualdad. Desgraciadamente todavía tenemos que seguir haciendo actos por la igualdad porque hay muchos ámbitos que es nuestra cultura en el mundo. No somos el único país del mundo que tiene un movimiento feminista potente y ni somos el único país que tiene la igualdad y la igualdad de género como uno de sus objetivos como sociedad. Pero sí somos uno de los que está a la vanguardia. Y eso es un orgullo y eso es también la forma en que nos percibimos, en que vivimos y una de las formas en las que nos proyectamos y por las que se nos reconoce en el mundo. Y por supuesto la Embajada de España, yo como embajador, el consejero cultural Roberto Varela que está aquí, el director del Instituto Cervantes, Eloisa Moreiro que es consejera de la Embajada, no podíamos dejar de asociarnos a este día que era ayer. Pero ayer efectivamente el instituto estaba cerrado y yo creo que todos ustedes tenían algo mejor que hacer. Podríamos haberlo hecho de muchas maneras, podríamos habernos asociado de muchas formas, pero mujer y creatividad es un tema especialmente relevante para la causa de la igualdad. Primero, porque las mujeres han estado apartadas de la creatividad durante demasiados siglos, porque estuvieron apartadas de la educación. Y por lo tanto, hoy es un día importante para celebrar que las mujeres participan en nuestros países, aunque en otros todavía queda mucho por hacer, en igualdad de condiciones de la educación. En segundo lugar, porque cuando tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso a ser autores en muchas ocasiones, no tuvieron acceso a la propiedad intelectual. Tenían que firmar como hombres, o tenían que decir que el cuadro lo había pintado un hombre, o un descubrimiento científico tenía que atribuirse siempre a un hombre. Porque era literalmente inimaginable que una mujer pudiera tener creatividad por ella misma y ella sola. Hoy también vamos a celebrar a través de eso, a través de esa conquista, de ese derecho, por decirlo de alguna forma, la igualdad de hombres y mujeres. Yo creo que ya hemos hablado demasiado de los hombres, es el momento de hablar de las mujeres. Voy a dejar a Loisa la presentación de las tres. Simplemente quería agradecer muy sinceramente la rapidez con las que Isabel Alonso, Grecia Cáceres y Manon Joni dijeron que sí a estar hoy aquí. Hay un pequeño error en el apellido de Manon Joni, que corregimos verbalmente. Y ahora ya sí, es la hora de que hablen las mujeres. En francés, porque Manon habla español, pero... ¿No? Bueno. Habla español, pero no. Entonces, no sé, yo creo que libremente quien alguna quiere hacer su intervención en español, si lo hace despacio puede entender, pero obviamente la suya tiene que ser en francés y voy a intentar por lo menos hacer su presentación en francés también. Manon Joni, comme vient de le signaler M. Lamazala, est née d'un ancien famille d'artistes, petite fille d'un écrivain et professeur d'histoire du théâtre au Conservatoire National Supérieur d'Informatique et fille d'une autrice de théâtre et d'un réalisateur. Elle commence sa carrière d'actrice à 12 ans, met en scène une pièce de Bertolt Brecht à 16 ans, ce qui n'est pas évident, puis commence à écrire avec une adaptation de Comment l'esprit vient aux femmes, de Garçon Canin. Elle dirige sa propre compagnie depuis 2013. Accompagne et produit plusieurs créations, dont ses propres pièces. En ce moment, elle est actuellement en préparation de son adaptation du roman d'Isabel Alonso, c'est présent. J'ai mouru une autre fois, en collaboration avec cette maison, l'Institut Cervantes, l'ambassade d'Espagne et l'Institut français de Barcelone. Donc, ici, Madame Grecia Cáceres, qui est péruvienne, et a fait ses études, a commencé ses études à l'Université catholique de Pérou. Et puis elle est venue à Paris faire son doctorat à l'Université Paris 8, et là où elle a vécu depuis une vingtaine d'années. Elle est aussi directrice du département d'Amérique latine de l'UNESA,
artiste de Paris. Travaille comme critique littéraire et journaliste pardon, en radio et presse écrite. Et il faut dire qu'il est considéré comme une des voix de la génération dite des 90 au Pérou. Depuis sa publication, la publication de sa première, son premier ouvrage des poèmes, en 92. Le poemario de las causas y los principios, de menos embelesos. Je pense que c'est de cet ouvrage qui est à la fin de... Non, ça sera mon dernier si on peut aller. Okay, parce que c'est prévu à la fin, si on a le temps, de faire une petite lecture de ce poème. Et on pourra voir pourquoi il est aussi connu. Et c'est aussi important de dire son dernier roman, si je suis bien au courant, Malafuera. Et les rôles protagonistes, c'est une femme qui est aussi écrivaine. On va voir comment ça. Parce que je pense qu'elle fait aussi une réflexion sur le fait d'être créatrice et femme. Donc ça va bien avec le sujet de ce soir. Et puis finalement, on a Madame Alonso, ça va être, qui est peut-être la plus connue du public ce soir, à cause de ses nombreuses interventions en télévision, radio, presse écrite, toutes ses publications. Très reconnue comme activiste féministe qui sûrement aura plein de choses à dire ce soir. Et en fait, si vous voulez commencer avec votre intervention sur les sujets de créativité, est-ce qu'il existe un rapport, est-ce qu'il y a une créativité spécifique aux femmes? Alors moi, mon avis, c'est que, en français, hein, on a dit. Mon avis sur la question, c'est que chaque être humain a un accès égal à l'expression, à la créativité et un rapport égal à la possibilité d'être un génie, par exemple, d'être un très grand créateur ou une très grande créatrice. La différence entre les hommes et les femmes ne réside pas dans leur biologie à ce sujet, mais bien évidemment sur les différents obstacles qui ont été mis sur le chemin de la créativité des femmes pour simplement les empêcher d'agir. C'est ni plus ni moins que carrément de la castration. Je crois que c'est Saint-Augustin, qui n'est pas un de mes héros, en tant que féministe ça serait difficile, qui a posé dès le départ, je crois que c'est lui, hein, je ne suis pas sûre, qui a dit « procréer n'est pas créer ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme procrée, où elle fabrique un enfant, où elle crée des êtres humains, eh bien, elle n'a plus besoin de s'embêter la vie avec de la création artistique. Alors c'est une manière extrêmement pratique, je dirais, de se débarrasser de la question et de dire que les femmes n'ont pas besoin de créer puisqu'elles procréent. Bien entendu, c'était juste une stratégie perfide et masculine pour empêcher les femmes de créer. Dès qu'on a laissé les femmes s'exprimer, dès qu'elles ont eu accès déjà pour commencer à l'éducation, puis qu'elles ont eu un espace tout court, hein. Rappelez-vous de Virginia Woolf et de Une chambre à soi, c'est une des premières choses dont on a besoin, c'est d'un espace à soi pour pouvoir créer, et puis d'un peu de temps, et les femmes sont en train de démontrer leur totale légitimité sur les chemins de la création, et il nous faudra, à nous les femmes évidemment, quelques siècles peut-être pour produire des très grands génies, mais ça ne sera jamais que l'équivalent des siècles qui ont été nécessaires aux hommes pour devenir les génies qui ont survécu dans la mémoire de l'humanité. Donc voilà, biologiquement non, mais sociologiquement et culturellement, énorme obstacle. Donc pas de créativité proprement féminine, de sensibilité féminine. Bah, on ne sait pas, on verra. Mais toutes les circonstances qui empêchent le développement artistique des femmes. Et ça, comme je disais tout à l'heure, dans votre dernier ouvrage, Grecia, vous parlez du fait de la maternité. La maternité créatrice ou source d'engagement pour la créativité. Ça, c'est une vaste question aussi. Moi, je suis écrivain et poète, donc les thématiques féminines, est-ce qu'elles ont été touchées, est-ce qu'elles ont été développées, est-ce qu'elles font partie de l'universalité des expériences humaines? C'est ça la question. Donc beaucoup de femmes, par exemple Virginia Woolf que j'adore, elle a consciemment ou inconsciemment, ou par son entourage, éviter d'avoir des enfants par sa santé mentale, etc. Mais on trouvait, même les femmes elles-mêmes trouvaient que maternité et créativité étaient difficiles à mener
de pair, n'est-ce pas? Mais justement, ce qui nous tente aujourd'hui avec cette ouverture de l'espace et ces luttes qu'on mène, justement, c'est de faire entrer tout l'univers de nos expériences psychiques, physiques, dans les champs de la créativité. Et dans mon dernier roman, c'est vrai, Mala Fuera, c'est un peu une histoire de comment on arrive à écrire sur une expérience, et sur l'expérience de l'exil aussi, parce que le personnage me ressemble un petit peu, mais seulement pour des circonstances générales. Donc c'est une fille qui doit fuir le pays, fuir le Pérou et s'installer à Paris. Et au début, on ne sait pas trop pourquoi, il y a toute une trame un peu politique qui l'amène à partir et qui l'amène à écrire aussi, à revenir dans ses amours. Et elle est maman de jumeaux. Donc je l'ai mis dans une situation assez compliquée pour voir aussi comment elle trouve ce chemin de l'écriture. Et je trouve que moi j'ai écrit déjà un livre de poésie sur l'accouchement en 2005. Il y a une autre poétesse péruvienne très connue aussi qui a écrit sur l'expérience de l'accouchement, qui a une expérience extraordinaire philosophiquement parlant, existentielle, enfin, qui a toute sa place dans l'art. Et la maternité, pour moi, ça a toujours été une question parce que moi j'ai des enfants et je me rappelle quand j'étais étudiante à Lima, souvent d'autres femmes qui voulaient être créatrices me disaient mais tu peux pas, tu as trop d'enfants, c'est des enfants ça qu'on a tout le temps, tu peux pas. Il y avait comme une sorte de... Ça n'allait pas avec l'esthétique de la créatrice. Ah oui, non, c'est même pas un sujet. C'est vrai. Mais surtout en Espagne aussi, on me disait, ah, mais deux enfants, trois enfants, quatre enfants, oh, ça affolait tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une expérience que je pense doit faire partie des expériences clés dans le champ de la création. Je n'ai pas la seule à avoir des enfants. Ma mère aussi, je ne sais pas si l'effet de la maternité, d'avoir des enfants, a influencé la créativité. La créativité, non. Le fait de pouvoir l'exploiter, oui, je pense plus. On a de la créativité. Maintenant, il faut l'accoucher sur le papier, il faut la produire, et puis il faut. Et puis la crédibilité aussi, je pense. La crédibilité. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, alors je ne sais pas du tout ton expérience, mais. Nous, c'est validé si on a, dans mon milieu hein, donc de théâtre, c'est validé si on a des enfants et qu'on ne s'en occupe pas. Peut-être que je ne vais pas parler dans le micro parce que je parle déjà hyper fort. Je pense que ça me fatigue moi-même. Pardon. Non, je ne sais pas, c'est. Ouais, c'est un réflexe que j'ai. Ouais, je pense que si on ne s'en occupe pas, ça va. C'est pas gênant. Mais moi, ce n'est pas ce que j'avais prévu de faire. Si j'ai fait des enfants, c'est pour m'en occuper. Plus que beaucoup d'hommes que je connais. Et moi, mon grand-père était écrivain, mais mon grand-père ne s'occupait pas de ses enfants. Il les voyait dimanche pour le déjeuner, mais... Donc, ça prend du temps, et je vois que ça ne gêne pas s'ils ne sont pas là. Mais si on dit d'un seul coup, bah non, je ne peux pas venir à ce rendez-vous dimanche parce que bah, j'ai des enfants, si je ne peux pas passer la nuit à faire ça ou aller 17 fois au théâtre dans le mois parce que j'ai des enfants, là, par contre, c'est un problème. Mais effectivement, c'est un homme, je sais pas, je pense que tu as approuvé, parce que un homme, oui, ça lui perd pas sa crédibilité d'avoir des enfants, parce qu'en fait, pardon, un homme, il peut en avoir 15. Ben oui, c'est pas la même expérience. Donc, sinon, c'est moins gênant. Hein. Mais je peux ajouter une chose, c'est qu'il y a une écrivaine franco-canadienne qui s'appelle Nancy Houston, qui vit à Paris, et qui a écrit un livre qui a des enfants, et qui justement décrit de manière mais absolument passionnante comment elle a ressenti le fait d'être enceinte comme une espèce de propulseur de créativité, qu'elle se sentait en une époque de totale fécondité, non pas seulement dans son corps qui était en train de fabriquer un nouvel être humain, mais également dans toutes ses capacités mentales, c'est-à-dire qu'elle était en position de créatrice absolue. Elle disait qu'il n'y avait pas... Elle s'est sentie à ce moment-là, mais comme une maîtresse du monde. Et je crois que seule une femme enceinte pouvait écrire ce qu'elle a écrit. Donc ça donne encore, parce qu'on a beaucoup vu jusqu'à maintenant les enfants où la
ou la gestation elle-même comme un obstacle à la créativité, et il s'avérerait que ça serait le contraire. Maintenant, après, on tombe dans les questions matérielles de temps, de tété, de machin, de trucs, c'est autre chose, mais c'est autre chose. Mais on imagine que quand on a eu un enfant, d'un seul coup, on a aussi moins de temps, on dort moins, on envoie quoi. C'est pas grave si on dort pas, c'est pas grave, donc on nous produit aussi beaucoup. Exactement. Donc c'est amusant de penser que ce qui était perçu comme une limite est en fait un coefficient du multiplicateur. Quoi. Je trouve ça très intéressant. Ça ne pouvait... Ce thème de réflexion n'est apparu qu'une fois que les femmes ont commencé à créer par elles-mêmes et à constater ce qui leur arrivait quand elles étaient en position de créer et quel était le rôle des enfants dans cette affaire. Quoi. Moi, ça me passionne. Votre mère, une cinématographe, une en plein 21e siècle, moi je connais, parce que je les connais personnellement, beaucoup de mes confrères masculins, ils ont une vie qui est quasiment impossible pour une femme. C'est-à-dire qu'ils ont une assistante qui s'appelle une épouse et qui fait tout pour eux. Elle fait tout pour eux. Je me souviens, on était à un salon du livre et un de mes camarades me dit « Je ne sais pas quelle chemise ma femme a mis dans ma valise ». Et moi, évidemment, je me dis, le mec, il ne fait même pas sa valise, quoi. Les valises, faire les valises, pour moi, c'est le cauchemar. J'ai jamais trouvé un mec qui me dise, allez, je te fais ta valise. Et je ne sais même pas si je n'irai pas vérifier derrière, s'il a bien tout pensé, quoi. Donc, il y a des hommes qui se lèvent le matin et qui n'ont à faire que écrire. C'est-à-dire le paradis pour un écrivain. C'est tout ce que vous voulez faire dans la vie, c'est vous lever le matin, vous poser devant votre ordinateur et n'avoir que les repas viennent tout seuls, que les vêtements viennent tout seuls, que le pressing se fasse tout seul, et donc qu'on soit totalement concentré sur son travail. J'ai un peu fréquenté Jean Dormesson, qui est le papa de mon éditrice, et Jean Dormesson, toute sa vie, il a écrit. Il est allé faire de la promo, des trucs comme ça, mais autrement, toute l'énergie de son entourage était autour de grands hommes qui créent. Façon Victor Hugo. Ça, pour une femme, je pense que c'est à peu près... déjà, quand on est autonome, c'est déjà merveilleux, mais on ne va jamais avoir un époux ou un camarade ou quelqu'un qui vient s'occuper de nous apporter un petit café, demander si tout va bien et si on a bien pris rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste ou chez l'esthéticienne. Je pense que ça fait une grosse différence. En fait. Mais enfin, les obstacles nous enrichissent. Hein. Donc, on est super riches. Quelles sont les circonstances au foyer, les circonstances au niveau de l'entreprise ou du milieu de publication? Et tout à l'heure, avant le colloque, on a parlé des différences selon le poste que l'on occupait. Ce n'était pas seulement le fait d'être femme, mais la place que l'on occupait dans les systèmes créatifs. Ah oui, parce que moi, comme je suis actrice aussi, je n'ai pas le même rapport quand je suis actrice ou quand je suis metteuse en scène ou quand je suis... Autrice, on voit personne, donc comme ça c'est réglé, mais ou productrice, c'est pas du tout les mêmes obstacles, comme tu disais. Mais c'est vrai qu'on est bon, on est payé pareil, c'est déjà, ça, c'est bon déjà bon. Donc ça peut, c'est déjà bien. Ça permet de dire qu'il n'y a pas de machisme dans le milieu. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je vois déjà, j'ai réfléchi hein, quand j'ai dit, mais est-ce que j'ai pas entendu beaucoup plus de bien des autrices de théâtre que des auteurs? C'est vrai que les quelques-unes qu'il y a. Tout le monde dit qu'elles sont géniales, donc c'est sympa. En fait, c'est parce qu'elles sont beaucoup moins. Parce qu'elles ont beaucoup plus galéré à y arriver. Donc effectivement, elles sont sûres. Je ne parle pas de moi. Hein. Mais il y a quand même... les places sont chères, donc celles qui sont arrivées là, effectivement, elles sont assez inattaquables. Parce qu'elles ont beaucoup plus trimé. Donc elles n'arrivent pas avec un truc bancal. Une actrice, non. Une actrice, ben, de toute façon, il y a forcément besoin d'une femme... Alors par contre, comme je disais tout à l'heure, si c'est un rôle qui ne nécessite pas que ce soit une femme, bon, ben, ce sera un homme qui le fera. Ben, c'est notre comme un blanc, c'est un blanc, c'est pas un noir, sauf si c'est précisé qu'il est noir. Mais donc quand on est actrice, on est obligé de faire. Pendant longtemps, les rôles de femmes étaient tenus par les hommes, hein, jusqu'à Molière, hein, quand même. Ça fait... Non, mais par contre, en tant qu'actrice, on est obligé d'être là. Donc c'est vrai que pas du tout les mêmes rapports, et surtout on n'a pas de... Enfin, tout le monde en parle beaucoup, mais le rapport de pouvoir qu'il y a entre les metteurs en scène et les actrices arrive quand même moins souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai connu beaucoup moins de plaintes d'acteurs sur le comportement tendancieux des metteuses en scène. Ça, c'est sûr.
Des actrices, il y en a plus. Parce qu'il faut des actrices dans les rôles, dans les pièces, donc on est moins sélectionné comme ça. C'est moins difficile, je pense. Par contre, pour écrire une pièce et la monter, il faut faire plus ses programmes. Je pensais pas laisser un blanc comme ça. C'est vrai que c'est malheureusement ou heureusement très à la mode de parler de violence ou de servir dans le domaine artistique. Heureusement, on en parle. Il y a 2-3 ans, c'était le Balance ton corps. Ouais. Est-ce que vous avez participé? Ça s'est pas du tout fait dans le théâtre. Pas du tout. Ah ouais, mais nous on a trop peur de perdre nos places encore. Ah ouais. Ah ouais, il n'y a pas assez de gens qui vont au théâtre. Quand tout le monde ira au théâtre autant qu'au cinéma, là les filles elles parlent pas, mais nous on parle pas. Ah non, non. Ah, ça y est, je reparle mon temps parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Non, non, moi je connais beaucoup de filles à qui c'est arrivé et beaucoup d'hommes qui vont dans le théâtre, mais enfin, je sais pas, vous en avez entendu parler de vous dans le théâtre. Non. Que cinéma. C'est trop précaire chez nous. C'est-à-dire qu'une fille qui parle renonce à sa carrière. Ah bah c'est oui. Ça qu'il faut dire. Mais il y a pas, donc elle ne parle pas. Il n'y a rien dans le théâtre. Ben oui. Donc, ok, si on est Isabelle Adjani, on peut parler après avoir un boulot quand même. Vous, c'est fini. Déjà, si on prend 5 kilos après une grossesse, on ne travaille plus. Donc, si en plus, on balance sur les métiers en scène. Non, non, pas encore. Je ne connais pas le moyen littéraire. Je ne sais pas s'il existe cette relation de pouvoir. Bon, ben, enfin, en France, il y a un très douloureux cas avec un écrivain qui abusait d'une jeune fille et qui maintenant, comment il s'appelle, Springoral, Vanessa... Ah, Maznev. Oui. Maznev. Donc il y a eu toujours des écrivains qui ont aimé les petites filles ou les jeunes filles ou qui abusaient des jeunes, mais... C'est vrai qu'on est dans le milieu, c'est drôle parce qu'à mon âge actuel, je pense à quand j'avais 20 ans, et il y avait beaucoup de choses qui étaient normales en fait dans ce milieu-là. L'admiration pour les profs, pour les écrivains, et j'en suis revenue. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus, moins d'admiration. Enfin, je peux admirer une œuvre, mais pas une personne maintenant. Surtout les écrivains, parce qu'on est très très déçus. On a eu un culte de la personnalité qui est lié au romantisme, qui est lié au 19e siècle. On a créé une littérature très individualiste. On a créé tout un culte autour de créateurs, d'écrivains. Et ça a donné ce que ça a donné, en fait. Un créateur, un écrivain, c'est un être qui est créatif, qui produit des œuvres, mais qui n'est en aucun cas un demi-dieu ou un être... au-dessus de la normale. Donc on a créé cette espèce d'être un peu spécifique, au-dessus de tout, et qui ont pris... Bah c'est sûr, si on vous traite comme ça, si on est un prince ou quelque chose, bah on se croit tout permis. Et donc c'est écrit... Comment continuer avec une littérature qui attire, qui plaît, qui fait rêver, mais sans passer par ce culte de la personnalité? Moi, j'ai fait beaucoup de ménage sur les figures littéraires que j'admirais. Et maintenant, je me dis, et je vais vers les livres, et je m'intéresse un peu moins à la personne médiatique, surtout aujourd'hui, non? Et je vais beaucoup vers les grands écrivains de notre histoire. Donc, si on veut parfaire cette exaltation de l'écrivain, ouais. De l'œuvre, on oublie cette tendance qu'il y a aujourd'hui à valoriser le travail des femmes, de valoriser les publications, tout ce brache. C'est une bonne question. Ben non, de toute façon, là, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Isabelle. J'ai perdu le fil, là. Je ne sais plus de quoi on parle, parce que est-ce qu'on est en train de parler de la médiatisation des auteurs, ou est-ce qu'on est en train de... Non, moi je parle de la figure littéraire, mes figures littéraires, parce que moi j'ai fait une conférence sur les figures littéraires qui m'avaient inspirée. Mm-hmm. On a tous besoin de modèles, d'exemples. Pour moi, c'était très important Blanca Varela, qui est une grande poétesse péruvienne, et j'ai beaucoup... Je me suis beaucoup inspirée de sa manière de voir la littérature et de la publication surtout. Okay. Et ça m'a servi. Mais je pense qu'il faut qu'on se retrouve plus sur les œuvres que sur les personnalités des écrivains. En France, non. C'est dur parce qu'en France, il y a une idéalisation de l'écrivain incroyable.
Ah oui, mais ça c'est chouette. Je ne sais pas, moi j'ai des doutes. Hein. Il y a la question des figures, je pense qu'il y a aussi la question des figures d'identification pour les femmes qui se mettent à créer. Mmh. Il est bien évident que soit tu... Quoi qu'on a la capacité à s'identifier à des figures masculines, parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, on ne peut juste pas continuer par manque de figures féminines historiques. Ça sera peut-être différent avec le temps, je crois. Mais pour ce qui est des figures d'identification, nous sommes bien obligés, à un moment ou à un autre, de nous identifier à des figures masculines, parce qu'autrement, d'abord parce que ça ne change rien sur la valeur littéraire, mais parce qu'autrement, on va manquer de figures, tu vois. Moi, je suis ravie d'avoir beaucoup d'héroïnes écrivaines, mais je ne vois pas pourquoi je me passerais des figures d'identification masculines. Je vois pas où serait la question. La question que je me pose, moi, c'est si les hommes qui écrivent sont capables, eux, de s'identifier à des écrivaines ou à des poétesses féminines. Ça, c'est beaucoup plus compliqué pour les hommes parce qu'ils sont habitués d'être toujours au milieu de la photo et que ça soit d'eux qu'on parle. Et est-ce que c'est très facile pour eux de s'identifier à une écrivaine plutôt qu'à un écrivain? Ça, c'est une question que je peux me poser, mais par définition, ce n'est pas à moi de répondre. C'est à eux. Évidemment, évidemment que toute notre énergie doit aller à mettre en valeur, à nous mettre en valeur nous-mêmes entre nous, parce que c'est important, parce qu'on a été, rejetés sur les côtés de l'histoire artistique de ce pays, enfin de ce pays et de tous les autres pays, et donc tout notre travail doit consister à nous réintégrer dans la photo. C'est la même chose pour les figures politiques et pour bien d'autres domaines où il faut les figures sportives aussi, où il faut aller récupérer les figures scientifiques également, il faut aller récupérer les figures qui peuvent inspirer les petites filles d'aujourd'hui. Moi je crois que, enfin pour quelqu'un comme moi qui est délibérément choisi de ne pas avoir d'enfant pour des raisons très claires de disponibilité de ma propre personne, toute mon énergie elle va pour les petites sœurs, les petites filles de la génération d'après. Moi je voudrais mettre sur leur chemin des pétales de rose pour que tout leur soit plus facile et qu'elles puissent juste se développer sans que personne jamais ne vienne leur dire qu'une fille ne fait pas ça, parce qu'une fille ça fait tout, et voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est pour ça qu'il faut cultiver les figures féminines parce que les figures masculines, elles sont déjà tout ce qu'il y a de cultivé. Et moi, quand j'étais petite, je cherchais désespérément des figures féminines, et pour ça, je feuilletais les pages du Petit Larousse. J'avais un Petit Larousse, comme tous les enfants. Et donc, je prenais les pages, la deuxième partie du dictionnaire, qui est destinée aux personnages. Mais, non, en tant qu'ambassadrice, madame. Je ne sais pas si vous savez quelque chose à dire sur cela ou on peut passer à avoir des questions. Donc il y a une toute petite différence qui induit certainement des différences parce qu'on n'a pas exactement la même anatomie, mais que c'est une toute petite différence et qu'une fois libérée des stéréotypes de genre qui nous emmènent dans une direction ou dans une autre, j'imagine que chaque être humain est tellement un individu que le sexe auquel on appartient au départ n'a qu'une toute petite influence, mais qui existe sûrement. Je crois qu'on n'a pas forcément le même monde fantasmatique selon qu'on a un pénis ou un vagin, peut-être, sans qu'on puisse dire exactement où on en est. Tu vois, ça fait même pas assez longtemps que les femmes s'expriment vraiment. Oui. Mais ça ne viendrait pas du contexte plutôt ? Ah ben, ce qui vient du contexte devrait disparaître normalement. Ouais. C'est donc, je rêve d'une éducation pour les enfants où un enfant serait considéré comme une ressource, comme une richesse dont on doit sortir le maximum de possibilités, et que surtout on n'emmerde pas les enfants avec les stéréotypes de genre. Je veux dire par là que si un petit garçon a envie de mettre du rouge à lèvres, un tutu, et puis d'être en soldat l'après-midi, et puis de refaire autre chose après, on s'en fout. Que toutes les possibilités soient ouvertes aux enfants des deux sexes, et que seulement après, s'il apparaît des différences, et bien on verra bien, mais sur le moment, de leur donner à tous exactement les mêmes instruments. Et seulement après, on pourra voir s'il y a des différences, parce que pour l'instant, le dressage des uns et des autres est tel qu'il est très difficile de deviner ce qui vient de du conditionnement culturel et ce qui vient de la biologie. Ça, on n'en sait rien, et on ne le verra
qu'une fois qu'on aura fait le tour de la question, et à mon avis, il ne devrait pas y avoir grand-chose de différent. Ça va être super. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler aussi des, en dehors de la, des gens qui créent, en fait ? Parce que ça dépasse aussi la, la question de la créativité. Enfin, tout le monde est, tout le monde a une créativité à exercer, que ce soit dans, dans son sphère personnelle, etc. Ah. Non seulement, pas seulement dans la littérature ou les arts, la créativité c'est quelque chose de très propre à l'humain dans son inventivité, dans son adaptabilité. Ce qu'a fait l'être humain ce qu'il est, c'est que c'est adapté à toutes les circonstances et il a réussi à transmettre son, ses savoirs. Je pense qu'il faut valoriser nos savoirs qui sont passés de génération en génération, la langue, par exemple, non pas une langue, là on a parlé en français, peut-être qu'en espagnol on aurait dit d'autres choses, parce que c'est vraiment une autre langue avec une autre passé. Et je trouve la, la, toutes ces discussions sur le genre dans la langue aussi sont très intéressantes. Et ça touche beaucoup nos structures profondes mentales en fait. On parle de langue maternelle, enfin, il y a énormément de choses à réfléchir. Je pense qu'on est qu'au début. Quand on parle de sensibilité, c'est un mot un peu, c'est un mot un peu difficile à, parce que peut-être parler de point de vue ou de vécu ou d'expérience, parce que sensibilité, on a toujours dit la femme est plus sensible et l'homme est plus rationnel. Ce qui n'est pas vrai, je trouve, je pense que c'est la cause. Et quoi que ce soit, la sensibilité, c'est toujours un mot un peu à prendre avec des pincettes. Donc je pense qu'il vaut mieux penser à dire est-ce que la femme a une expérience autre à dire, à donner, à faire connaître dans le monde actuel. Et est-ce que ça va déterminer son œuvre dans l'avenir? On ne peut pas le savoir. Peut-être qu'à partir de, des luttes actuelles et tout ce qu'on est en train de faire, ça va donner des œuvres qui vont nous surprendre à, dans l'avenir, parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment, comment on peut créer les femmes dans un environnement qui soit complètement positif pour ses capacités. Et c'est vrai que tout en rêve, moi, que nos enfants... Moi, j'ai des 3 garçons et une fille. Moi, j'espère que tous les 4 vont trouver une place dans ce monde qui a l'air si compliqué. Si, ¿puede ser qui no habla español? ¿Todo el mundo habla español? C'est un recueil de poésie que j'ai publié en Espagne en 2017 qui s'appelle Adentro la batalla. Et qui s'inspire beaucoup aussi de la, la tradition de la langue espagnole. Je pense qu'on va avoir des échos avec tout ce qui est les mystiques espagnols, le siècle d'or, tout ça. Et je vais lire un seul poème que je pense que ce qui lie un peu à cette histoire de transmission et d'écriture. Ya no levanto el puente, el río está en crecida. Acarrean sus aguas ramas de árboles caídos, con su fauna entera. Piedras que viajan de improviso, luego de milenios inmóviles. Restos de irreconocibles objetos, peces brillando un instante antes de desaparecer. El puente ya no es puente, es un inútil trasto. Lo miro desde lejos al pie de la muralla, que se confunde con su ribera fangosa. Podría tirar todo por sobre los muros almenados, recuerditos de comunión, fotos amarillas, ropa de verano, zapatos sin taco y miles de hojas llenas de símbolos etruscos escritas de mi mano alguna vez. Desaparecería todo en un tris, tanto trastorno, mal y miel, tanta tontería juvenil, tanta basura del alma. ¿Para qué llenar bibliotecas de más polvo? Volver a la líquida boca de los bosques. Reducir a lo elemental, gota entre las gotas iguales e infinitas, sin lira ni corona. Caer sin más a donde reina el silencio y la oscuridad igual a las cabezas.